C'est un message qui a surpris cet hôtelier. Sur la plateforme touristique en ligne TripAdvisor où son établissement est référencé, cet avertissement. Les voyages touristiques sont actuellement restreints vers cette destination en raison du Covid-19. Après 2 mois et demi de fermeture, ce professionnel compte sur la saison pour remplir ses 67 chambres. Ses principaux clients passent par ce site pour réserver. Il craint que ce message les en dissuade. On a été alerté par des clients, hein, c'était la base, c'est comme ça qu'on a connu l'information. C'est des clients qui nous ont demandé s'ils pouvaient venir en séjour chez nous. Et bien sûr, on leur a dit, mais ils nous ont simplement informé que sur le site TripAdvisor, il y avait une information qui disait le contraire. Si l'avertissement apparaît sur toutes les destinations touristiques de France, l'Office du tourisme de Thonon-les-Bains sonne l'alerte. Pour attirer les visiteurs, 460 000 euros ont été investis dans la communication. Ce sont des campagnes qui donc invitent les gens à venir sur la rive française de Lémanique, venir consommer ici dans nos hôtels et restaurants. Avec ce message affiché sur TripAdvisor, la directrice craint donc une mauvaise publicité et ne le comprend pas. Alors, il s'agit clairement d'une concurrence déloyale avec nos voisins italiens et suisses qui sont aussi nos premiers concurrents, vers lesquels les destinations et les hôtels sont conseillés, alors que si vous vous connectez à Thonon et en France, les hôtels sont déconseillés par TripAdvisor. De son côté, le géant américain répond « Nous souhaitons vous confirmer que l'équipe spécialisée est en train de réviser le message en question. » Les professionnels du secteur, eux, exigent le retrait immédiat du message.